bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va excellemment bien. Voilà, j'espère que vous aussi, que vous êtes au taquet, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode, je vous le dis, incroyable. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, je vous avais dit que le prochain épisode serait dans 3 jours, mais je me suis rendu compte que du coup, le dernier épisode était quand même relativement court. Donc, pour me faire pardonner, et surtout parce que j'ai réussi à faire tout comme je voulais, eh bien, je vous retrouve 2 jours après déjà. Et ça, c'est cool, je vous retrouve avec un écureuil sur la tête, et ça, c'est vraiment stylé, et je vous retrouve avec une maison qui est structurellement terminée. Soyez prêts, 3, 2, 1, c'est l'heure du reveal, boum! Voici les amis, notre maison, il y a encore de la cobble à l'intérieur, je suis trop content. Alors, elle n'est pas finie complètement, puisqu'aujourd'hui, on va s'attaquer à la décoration et on ira potentiellement dans le Nether dans le même épisode. Voilà, on va essayer. Cette fois-ci, je vais me faire pardonner, je vais vous faire un vrai épisode d'une demi-heure, bien complet comme il faut, avec pas mal de contenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la maison. Alors, j'ai pas encore fait d'escalier, ça, il faudra le faire évidemment. Je vous fais un petit peu le room tour, enfin l'extérieur tour, j'ai envie de dire. Ici, est-ce qu'on va se faire une petite cave à vin? Je ne sais pas, je sais pas, mais ici on pourrait se faire une petite zone portuaire, en vrai pourquoi pas. Alors oui, j'ai un bateau ici, j'en ai un là-bas aussi, en fait je m'en étais refait un, puisque du coup, tous les coffres qu'il y avait là-bas, j'ai tout déplacé, j'ai tout mis à l'intérieur. Comme ça l'affaire est réglée, on est très très bien, parce que je suis sûr que ça vous stressait quand je faisais des allers-retours. Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre de... je peux l'ouvrir de l'extérieur, c'est fantastique. Bref, les amis, bienvenue dans mon chez-moi, dans ma maison, pour le moment un petit peu vide, avec ici, mais oh, regardez la nourriture, oui j'ai fait un génocide de vaches pour pouvoir me faire ces items frames transparentes. Alors voilà, c'est plutôt stylé, j'ai un peu trié les coffres, les items frames transparentes c'est ça, les glass item frames, pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait, bah c'est très simple, j'ai fait tout simplement un item frame classique que j'ai entouré, regardez bien, attendez je suis perdu, que j'ai entouré, non, voilà, de glace, et donc ça me fait des glace item frame, et c'est super stylé, hop, tu fais ça, bam, et tu mets un item, hop, et c'est incroyable, hop, mais là, on s'en fiche un petit peu, hop, ça va ici, du coup, bah ici, les minerais, très bien rangés, ici, tout ce qui va être un peu équipement, outils, armure, ici, tout ce qui est nourriture, vous l'aurez compris, avec la banane, ici, tout ce qui est bloc, tout simplement, vraiment de tout type, hein. Vraiment, à partir du moment où c'est un cube, ça, je mettrai ça là-dedans. Là, pour le moment, c'est pas trié, c'est divers, c'est-à-dire que c'est un peu le zbeul. Ici, c'est tout ce qui est un peu verdure, végétation, plantation, loot de mobs pacifiques, tout ça, quoi. Et là, il n'y a encore rien. Voilà, tout simplement, évidemment, les amis, la cuisine ne va pas ressembler à ça. Vous savez très bien, si je tape ici « kitchen », regardez tout ce qu'on peut faire, bordel de merde. Non, pardon, mais c'est incroyable. On va pouvoir mettre des chaises, on va pouvoir mettre des tables, on va faire tout ça, les amis, vous inquiétez même pas. Et aussi, un truc que j'avais vu, oui, vous l'avez peut-être vu, la glass item frame, si on rajoute une glowstone, donc on ira dans le Nether, ça nous fait une glowing glass item frame. Donc j'imagine qu'en gros, l'item à l'intérieur devrait genre être illuminé de manière incroyable. Ce serait super stylé. Allez, on aère un petit peu la pièce. Très important en temps de Covid. En haut, bah, y a rien d'aménagé. Je vais enlever la cobble. Par contre, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Comme promis là, pour commencer cet épisode, on va se faire un dernier étage. Avec justement, alors vous l'avez vu dans mes coffres, j'ai déjà crafté à l'avance, puisque du coup j'avais ce qu'il me fallait. Là, avec ça, là, ici, les Birch Planks Attic Roof, hop. Et c'est plutôt stylé. Voilà, on va prendre ça. Attendez, j'ai encore des slabs de birch, parfait. Normalement, j'ai beaucoup de birch, en plus ça fait que de pousser, donc ça c'est cool. Là, je suis content, même niveau bois, on n'est pas en pénurie. Et ça, ça fait plaisir. Bon, du coup, attendez, il me refaut des échelles en attendant. C'est temporaire, hein. C'est temporaire, les amis. Oh là là, mais quel bonheur de s'y retrouver dans les coffres, je vous le dis. Du coup, ce sera pas des échelles en... Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, là? Ah ouais, ça a changé. Eh ben, justement, on va rester dans le thème, alors. On va rester dans le thème. Hop, 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 hop. Voilà, des jungle ladder. Donc, des échelles comme ici, en jungle. Voilà. C'est juste pour monter. Après, on verra si on fera des escaliers ou pas. Juste, attendez. La hauteur du toit. Enfin, la hauteur du sol, je la mets où? Je pense. Ici? Oui, mais non. Si, là, c'est à bonne hauteur. Là, c'est à bonne hauteur. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Parfait. On vérifie juste un truc. Est-ce que je peux poser? Parfait, c'est bon. Et là, on n'est pas trop mal. C'est pas étouffant. Eh ben, c'est super. On va faire ça à cette hauteur, les amis. Je pense que là,
On va pas être trop mal. Ouais, c'est pas étouffant, c'est génial. C'est parfait, les gars. Hop, ça commence très mal. En plus, oh, j'ai pas pris ma hache. Désolé, c'est le dernier aller-retour, promis. De toute façon, ça va aller très vite. Hop, voilà. Et avec les coffres bien rangés, franchement, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas. Hein. Je vous le dis. Allez, c'est parti, on va poser ça. Je vous fais un accéléré parce que je suis un amour. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. A tout de suite. Eh bien voilà les amis, nous y sommes et ça fait extrêmement plaisir. Hop, et maintenant on n'a plus qu'à monter en haut, voyons voir à quoi ça ressemble. Oh là là les gars, on est très très bien là. On est très très bien. On a encore de la place pour faire plein de choses. Ça me rappelle un petit peu ma aventure 1.0 avec une petite chambre dans le grenier, genre trop stylé. Eh bah c'est super cool, c'est super sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, comment ça fonctionne du coup? Attendez, déjà, j'aimerais trouver le milieu de cette pièce. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 4. 5, 5. Ok, le milieu, il est là. Ah, on va faire un truc quand même plus ou moins cohérent. Je vais casser là, je pense. Et là? À quoi ça ressemble? Si je fais ça, du coup, je pense. Oh! Ah ouais, ça c'est vraiment dommage, du coup, que ce soit pas connecté, mais... À cette hauteur, ça me semble pas mal. Oh là là, c'est trop bien! Bonté divine! Oh, c'est trop bien, les gars! Ah ouais! Et on peut rentrer ou pas? Ça aurait été bien. Oh non, c'est trop bien! Franchement. Ah non, franchement, je valide. Hein. Ah, je valide. Là, le milieu, il est là. Alors, je vous montre un petit peu, d'ailleurs, comment j'ai fait le toit, vous avez vu? Voilà. Est-ce que vous kiffez? Vous l'avez jamais vu d'aussi près, le toit, je pense. C'est magnifique, je suis trop content. Du coup, bah là, le milieu, bah il est là, hein, ça va pas être très compliqué. Est-ce que là, je suis à bonne hauteur? Non. C'est ici que je veux faire. On va faire pareil, on va s'en mettre un là. Voilà. Oh là là, et là, ça mérite un maximum de pouces bleus, là, s'il vous plaît, quand même. On peut s'en faire un là aussi, de manière symétrique. Alors, ce sera pas symétrique en face, forcément. Attendez. Ah, c'est super, ça, franchement. Ah franchement c'est super. Ah je suis content. Ah là je suis très 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 content. Et quand je suis content je vomis. Alors attendez. On va vite sauter dans l'eau. C'est quoi ça? C'est une mouche. On va dormir à la belle étoile. Je sais on s'est fait une maison et on dort à la belle étoile. C'est quand même vachement... Eh il serait temps de se faire un lit d'ailleurs. Hein. On va quand même pouvoir se faire un lit. Un vrai lit. Ça sera quand même pas mal. Attendez il y a pas mal de voleurs qui rôdent dans le coin. Donc on va fermer la fenêtre. Ah c'est génial. Franchement c'est génial. Alors, il y a encore plein de cobble ici, on va l'enlever. Ah non, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est incroyable. Ça donne envie de faire des toilettes en haut. Alors, il me semble que c'est le seul truc que je n'ai pas, c'est... Ouais, on peut pas faire des toilettes, malheureusement. On peut pas non plus faire de douche. Ça, c'est dommage, mais il y a tout le reste derrière et ça, c'est cool. Oh là 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 là, la vue sur la montagne, mon pote. Non, mais attendez, mais s'il vous plaît. C'est fantastique. C'est fantastique. Hop, le petit screenshot. C'est fantastique. Bon, ah, il y a encore ici, ça me dérange. Voilà. Bon, on verra comment on aménagera tout ça. En tout cas, d'ailleurs, j'ai des torches sur moi. Et avec des torches, on peut faire des chandeliers. Je sais pas à quoi ça ressemble. Je vais les découvrir avec vous. On va mettre ça ici. Et bah là, c'est débile ce que je viens de faire. Concrètement, ce que je viens de faire, c'est débile. Ah, je sais comment on va faire. Oui, je valide. On va faire des barrières. Et je pense que j'en ai encore. Oui, parfait. Ça c'est fait, d'ailleurs on va en mettre ici, comme ça on va enlever ces torches. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres façons d'avoir des lumières. Je pense qu'on a pas mal de... ou pas en fait, ou pas. On a absolument aucune lumière de réalisable, à part les showroom lights là. Ok, c'est pas ouf. Bah heureusement qu'on a ce petit chandelier du coup, hein, finalement, c'est pas trop mal. Du coup, eh ben, on va mettre ça, on va enlever toutes les torches, de sorte à ce qu'il fasse bien sombre. Après, c'est pas obligé que ce soit symétrique. Moi, je pense que ici, on se fera une grande salle à manger. Hein. Enfin, ce sera ici la salle à manger. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, ça ferait un petit peu bas le chandelier quand même là. Ah, mais attendez, mais il y a un problème. Mais c'est complètement con. Alors, ça, c'est complètement con. Ok, alors il n'y aura pas de chandelier en bas. Je sais pas encore, on éclairera autrement. Par contre en haut on pourra faire un chandelier.
Enfin du coup pas là non plus. Mais ici on peut en faire un. Ah je suis un peu déçu, bon c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire ça là comme ça. Tac. Et hop. Ça se voit pas que c'est pas accroché. Entre nous ça ne se voit pas. On va fermer les yeux, ouais on peut pas faire autrement de toute façon. C'est bien dommage. Mais il faut se dire que... Il faut se dire, il faut s'imaginer. Ou alors attendez. Parce que je vous connais les amis. Attendez. Comme as. Peut-être que comme ça... Peut-être que comme ça, c'est pas trop mal. Attendez, je reçois des appels de partout. C'est terrible, je suis une star. Attendez, hop, voilà. Non, bah, je pense que c'est un peu la déception. Mais on va rester comme ça là-dessus, je pense. Voilà, écoutez, ça c'est fait. Ok, ensuite. Ouais, donc pour les lumières, faudra trouver autre chose. La chambre, est-ce qu'on se la fait en haut ou est-ce qu'on se la fait là, du coup, les amis? Ah, parce que là, je verrais bien quand même une grande salle de... Une grande salle pour bien vivre. Tu vois? En bas, je la verrais bien, mais... Non, je verrais bien en haut la petite salle à manger, ouais. Et là, ici, on pourra se faire une chambre. En haut, ce sera la chambre, ouais. Les escaliers, bah en fait, vous savez quoi? On va peut-être pas faire d'escalier. On va peut-être pas faire d'escalier, vu les grandes baies vitrées. On va rester sur les échelles, les amis. On va faire ça un peu, voilà, à la One Again. Un peu à la... Aventurier de la jungle, quoi, finalement. Un peu sur une île déserte. Oh, c'est mignon, ça. Ok, ça c'est good, on va ranger ça, je suis content d'avoir pu découvrir ça, découvrir ça avec vous, ça ne veut rien dire, en tout cas voilà, on est plutôt pas mal les amis. Est-ce qu'on va dans le Nether? Ah non, je voulais faire encore peut-être des petites décos, bah justement, la table, ouh, on a pas mal de, ah ouais, une petite table basse, non attendez, on va partir sur... On va partir sur du... Attendez, les murs sont en bois de jungle. Ça, c'est en bois de bouleau. Ouais, bah, faut faire en bois de chêne. Hein. Pas le choix, les gars. Bois de chêne, ça tombe bien, je n'en ai plus. Ah si, pardon, j'ai rien dit. j'ai encore des sticks, peut-être. J'en aurais peut-être besoin. Du coup, comment on craft ça? Ou alors, oak, square, and table. Je ne sais absolument pas quelle est la différence entre ça et ça. Ah bah, ok. Alors, il faut une oak fence. Ouh là 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 là, ça va être chiant. Et ça. Ouh, ça va être chiant. Ah bah non, j'ai même pas de bûche en plus. Ouh là 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 là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Bon. Je ferai ça en off. je couperai du bois en off parce que je vous connais, les amis, et j'ai pas envie de vous saouler. Nous, ce qu'on va faire, on va aller dans le Nether. Ok? On va se faire un seau vide pour pouvoir récupérer la lave et on va partir dans le Nether, découvrir un petit peu ce qui nous attend et surtout, eh ben écoutez, récupérer de la glowstone, un peu d'XP, mais aussi de la glowstone éventuellement. Enfin du quartz, c'était ça que je voulais dire. Ah, je vous ai pas montré aussi la salle... alors je l'ai pas du coup fini, mais j'ai fait l'accès du coup, le monument de la victoire. Le monument de la victoire, je ne vous l'ai pas encore montré les amis. Donc je vais vous montrer ça. C'est incroyable. Donc j'ai fait un petit accès avec des escaliers en cobble, hein. Rien de plus classique. Juste ici, voilà. Ce sera à nous de décorer un petit peu tout ça. Oh putain, il y a des creepers qui ont spawn. Enfin, il y en a un seul. Bref, vous voyez le délire. Alors, je comprends pas comment il a spawn. Pourtant, c'était éclairé, là. Allez, ça dégage. T'évites de péter quand même. Voilà. Là, ce sera l'endroit parfait où on pourra mettre du quartz. C'est par là la sortie. Du quartz, de la glowstone, etc., etc. On va se faire plaisir, les amis. Nous, ça y est, on va y aller. On va aller dans le Nether. Et en vrai de vrai, je sais pas ce que vous en pensez. Mais au plus simple, faudrait faire le portail bah là, dans la lave directement. Alors, c'est pas forcément... Voilà, on n'a pas encore de pioche en diams, quoi. C'est ça ce qu'il faut se dire. Mais sinon, moi, je verrais bien dans la montagne, plus tard, quand on aura une pioche en diams, dans le creux d'une montagne, on pourra faire un grand portail du Nether. Je pense que vous serez tous chauds pour ça. Ça, c'est une source de lave infinie? Pas du tout. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Bon, c'est pas grave, de toute façon, cette source de lave, très sincèrement, on s'en fiche un petit peu. Ok, bah du coup, on va faire le... En attendant, le portail, là. Ok.
Faites-moi confiance. Tout va bien se passer. Voilà. Après, on l'enlèvera quand on le pourra. Alors, attendez. Là, on va avoir un petit problème. Non, c'est bon. Ok. Ah, j'ai pas perdu la main. J'ai pas perdu la main, mais il me faut de la cobble. Parce que sinon, on va pas y arriver. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Je sais que vous kiffez quand je sais, quand je dis ça. Alors, attendez. C'est une blague. Voilà. Alors, attendez, on en est où, là? Il n'y en a plus que deux en haut à mettre, en fait. Alors. Hein. Là, ça va être amusant. Là, ça va être amusant. Bah, en vrai, attendez, là, je comprends pas. Voilà. C'est bon. Et bien, voilà. Nous avons le portail du Nether sans briquet. Allez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'espère que vous kiffez l'aventure. Bon, écoutez, je suis désolé. Je suis terrible. Je suis pas l'un des meilleurs, vous le savez. Je suis très perturbé de cet épisode. Je me fais harceler sur mon téléphone. Dis donc, on est sur une île déserte, il y a du réseau. Hein. Hop, allez, on va se chercher notre petit briquet qui doit être là-dedans. Parfait, très bien trié. On en profite pour récupérer un peu de cobalt parce que du coup, ça va nous être quand même relativement utile. On va mettre ça là. La bouffe, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup. Hop, voilà, je pense que ça suffira. Et puis nous, on est parti, les amis. Normalement, je n'ai besoin de rien d'autre. On va pouvoir découvrir. Je sais pas dans quoi on va arriver. Très sincèrement, je ne sais pas et j'ai peur. Je vais pas vous mentir. À tout moment, on est dans un putain de donjon. À tout moment, on est dans un cul-de-sac. À tout moment, on se fait aggro dès le début. J'en ai pas la moindre idée. J'ai extrêmement peur. Et alors, je ne pensais pas si bien dire. Mais nous sommes en effet littéralement dans un cul-de-sac. Hein. Et alors là, la minimap ne m'aide absolument pas. Ah! Ceci est fort embêtant. Alors là, ceci est fort embêtant. Je sais pas du tout. On est dans un biome. Dans un biome basalte, oui, voilà, c'est ça. Moi, le Nether en 1.16... ah, c'est bon. Attendez, tout va bien. J'ai bien fait de monter, je crois. Juste faire gaffe à la lave. De l'or. On va peut-être pas... on va peut-être pas casser parce que s'il y a des pigman là. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? On n'est pas bon en fait. Je croyais qu'on était bon mais on n'est pas bon. Alors, je continue... Oh! Pardon. Excusez-moi. Ça y est, je suis stressé. Je continue de monter dans le doute. Ah. Quand je vois ça, ça me rassure la Netherrack mais... Pour autant... Ça ne veut rien dire. Eh ben on est pas mal barré, voilà. Je vous le dis. Ah, je vous le dis. Attendez, avec ça, je vais faire une connerie à mon avis. Ça, à tout moment, j'explose. Hein. Quand on dort dans le Nether, vous savez, donc... Je l'enlève de mon inventaire. Tout peut aller très vite. Hein. Non mais les gars, on est couche 99. Non mais attendez, c'est quoi ces conneries là hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'imagines en fait, il n'y a pas de Nether sur la map là? Enfin genre, ça génère pas un... Ah ça m'étonnerait. J'ai juste pas de chance, c'est tout. Oh là là. Bah s'il le faut, il va falloir générer des... Enfin, il va falloir repartir de la map, enfin de l'île. Genre aller dans le village là qu'on a trouvé et faire le portail du Nether là-bas. Hein. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Non, c'est bon. Wow. En fait, on est dans le pire biome. Hein. C'est pas compliqué, on est dans le pire biome. Eh ben, ça fait plaisir cette trouvaille, je vais pas vous mentir. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Oh. Non, franchement, en vrai, vous en pensez quoi? Les biomes basaltes, c'est la pire connerie de tout Minecraft, en vrai.
J'aime pas ces bruits par contre. Alors, pour autant, ça fait quand même un petit peu peur. Hein ? On va pas se mentir. Alors, je préfère faire une belle plateforme comme ça. Je pense que vous me comprendrez. Comme ça, nous... Oh putain, ta mère, la... Pardon, mais j'ai eu peur. La bande sonore me fait peur. Alors qu'il se passe rien. Oh là là. Ah ouais. Ah non, là par contre, et franchement, si vous m'aviez vu... Mais alors, si vous m'aviez vu... Attendez, on peut peut-être crafter quelque chose avec le basalte, vous pensez? C'est fantastique, on peut faire absolument rien. Donc on peut l'utiliser. Ah non, ça m'a fait peur par contre, hein. Sans vouloir vous mentir, oh, j'ai serré les fesses. Bon, allez. On va bien réussir à trouver quelque chose. Enfin, j'en suis pas convaincu non plus, mais je vous entends derrière vos écrans. Vous dites la même chose, mais... Oh là 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 là, l'énorme faille. Non, mais... Ok, il y a un magma en bas. Bon, on va pouvoir descendre, hein. On va pouvoir descendre. Putain, mais... Ces bruits, j'aime pas. Ambient sound, c'est incroyable. Non, c'est le mode Dynamic Surrounding. Non, je sais plus c'est quoi le nom du mode. Mais il est incroyable. Non, mais là, on est dans un biome basalte. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Très sincèrement, les prochaines fois qu'on ira dans le Nether, je vous le dis, on ira dans le village et on fera un portail là-bas. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Mais c'est clairement ce qu'on fera. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est nouveau? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Strader, mais c'est nouveau ça? Ou ça vient d'un mode ou c'est en Vania? Strader, non, c'est Alex Mob. Oh, ok. Bah j'étais pas prêt. J'étais pas prêt, en plus il arrivait pas à me toucher. Et en fait il envoie des mobs. Ah! Ça va, ça, on les one shot. En fait on dirait des silverfish. Ah bah c'est pas méchant. Mais c'est pas méchant. Ah si, un peu. Ça a l'air un peu con visiblement, ça va. Mais il loot rien. Non, ça loot rien. Hein. Oh viens, on joue au tennis. Hop, je suis un monstre. Et attendez, pour faire de l'XP, c'est super cool. Bon bref, par contre, va falloir me laisser tranquille à un moment donné. Hein. Casse-toi. À un moment donné, va falloir me laisser tranquille. Hein. On va essayer de descendre, les amis, mais là... Ah! Ah! Oh là là! Ah, j'aime pas ça du tout! Mais il est où, en plus? Mais il est là! Comment il fait pour me tirer dessus sans me voir? Là, il me voit, ok, mais avant, il me voyait pas! Bon. Je peux poser des blocs? Est-ce que je peux poser des blocs pour me protéger? Oh là là. Oh, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Ah! Il est là. Hein. On va se le faire. Je sais pas comment. Attendez, faut juste que chaque trou on les rebouche parce que mon pote. On va se le faire. Ma pioche elle va casser avant. Oh non. J'ai peur. J'entends des loups. Attendez. J'entends des loups! Bon, il faut que j'y retourne avec un arc. De toute évidence, les amis. Il va falloir qu'on y retourne avec un arc. Oh, les gars, c'est incroyable ce qui se passe.
C'est incroyable. Par contre, j'entends des loups, ça ne me plaît pas. On n'est pas du tout assez stuffé, les amis. Hein. On n'est pas du tout assez stuffé. Ok, ça, c'est tout va bien. On n'est pas du tout assez stuffé, les amis. Nous retournerons dans le Nether, quoi qu'il arrive, quand on sera assez stuffé. Donc, les amis, en off, je vais farmer pour avoir tout ce qu'on aura besoin pour faire de la décoration dans la maison. Dans le prochain épisode, on fait full décoration. J'espère que ça vous fera plaisir. Et on ira miner en vidéo dans le prochain épisode, explorer les mines justement qui nous intéressent, parce qu'il y a des mines du coup non explorées qui peuvent être très sympas. J'aime pas ça. J'aime pas la nuit. Ah, bonne nuit. Ça me fait peur. Et franchement, je suis un froussard. Mais je suis un froussard. Et alors du coup la map elle est buggée en haut. C'est fantastique. Bon, je vous rassure. Ah, ça y est, c'est revenu. En tous les cas, en quittant et en revenant, ça aurait refonctionné. Alors, le creeper, il va éviter de me détruire ma maison. Ça, moi, je te le dis. Ça, moi, je te le dis. Allez, ça dégage. Bon, bah voilà. On va s'en arrêter là, les amis. J'espère que vous aurez kiffé quand même cette vidéo. C'était plutôt sympathique. Un petit peu effrayant, je vais pas vous mentir. Allez, on n'est pas encore tout à fait à une demi-heure. Je vous l'accorde. J'espère, mais au moins je vous ai pas fait attendre, enfin je vous ai pas fait attendre 3 jours, voilà. Bon les amis, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire. Ciao tout le monde.